Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve sur Forza Horizon 5 et ça me fait extrêmement plaisir parce que, entre temps, j'ai pas mal charbonné, comme vous pouvez le voir. On a la Elemento, ou bien la Sesto Elemento Forza Edition. Et je t'avoue que je suis très content de l'avoir parce que, il me semble que celle-ci, elle est meilleure que l'édition de base. Je sais pas pourquoi, mais il y en a beaucoup qui la veulent. Et je l'ai eu dans une sorte de, comment on appelle ça? Je fais tourner la roue et j'ai eu la caisse. Voilà, j'ai fait tourner une roue et j'ai eu la caisse. Et regarde un peu. Comment est-ce que les roues se chauffent justement? Regarde-moi cette accélération. Et encore, je crois que c'est pas la plus rapide, mais c'est la plus cheatée. Ça veut dire que celle-là, elle te tape de ses virages à des vitesses, mais c'est... Franchement, c'est criminel. Voilà, voilà, franchement, c'est criminel. Il y en a pas mal qui disent que ils veulent pas l'utiliser parce que justement, c'est cheaté, je sais pas quoi. Je l'utilise, mon ref, j'en ai rien à foutre. Elle est comme ça à la base dans le jeu. Il n'y a pas de modes qui sont installés, les reilles. Et d'ailleurs, pour vous dire... Alors je vais vous montrer un petit peu parce que voilà, déjà vous avez pété un câble, vous allez voir 161 en haut, c'est mon niveau et 15 millions, je vous jure j'ai pas de cheat, après oui j'ai utilisé des méthodes quoi. Je vous laisse vous renseigner les gars, je suis pas là pour ça de toute manière, c'est pas le but, mais pour moi c'est sûr que la moitié du fun du jeu c'est de conduire les caisses que t'as envie tu vois. Et les caisses que je voulais c'était des caisses rapides sa mère tu vois. Donc là au niveau des voitures les plus rapides, les plus chères aussi on va dire. Donc on est quand même pas mal. Celle-ci étant la plus chère que j'ai actuellement tu vois. Et je crois qu'il y a même encore plus cher que ça frère. C'est abusé celle-là genre je comprends pas le prix. Mais je crois que dans Forza 3 ou 4 c'était genre la queen tu vois ce que je veux dire. Enfin la queen ou la king tu peux dire ce que tu veux. Mais en gros je crois qu'elle tapait des accélérations de fou malade. Dans un autre jeu là apparemment elle a été comme bridée tu vois ce que je veux dire. Mais là la voiture cheatée du jeu c'est celle-ci voilà la Sesto Elemento c'est abusé. Celle-ci elle tape le meilleur top speed ça veut dire vitesse de pointe c'est horrible. Voilà alors on va tester ensemble. Et le but aussi de la vidéo aujourd'hui ça va être de faire des sauts de fou malade. Alors on va pouvoir comparer par rapport à la dernière fois. Vous vous rappelez ici j'avais fait une sorte de j'ai pris l'élan tout ça ici et j'ai fait un saut et j'ai atterri vers là tu vois ce que je veux dire dans l'eau il me tu vois ce que je veux dire. Là je pense avec la caisse qu'on a actuellement il y a moyen qu'on se retrouve vers là-bas tu vois. Enfin j'abuse mais il y a moyen que déjà on tape une accélération c'est franchement indécent. Voilà donc j'ai envie de faire peut-être quelques courses mais vraiment pour la plupart c'est faire des sauts et voilà faire prendre de la vitesse. Prendre de la vitesse simplement tu vois. Ah oui et il y a un truc regarde qui est de ouf. Théma je peux regarder autour sans problème. C'est l'intelligence artificielle qui conduit pour moi en fait, c'est l'ordi. Il y a des paramètres que tu peux changer comme ça. Pour moi, ça change la life. Je kiffe trop parce que moi, j'aime bien conduire. Enfin, conduire du coup, j'accélère seulement, j'appuie juste sur le truc accéléré. Et je regarde autour, moi j'aime bien, tu vois, ça me permet de profiter du paysage. Le paysage est magnifique. Il y aura des victimes sur la route probablement parce que l'IA, en fait, elle fait pas attention s'il y a des obstacles sur la route. Tu vois ce que je veux dire, s'il y a des voitures, qu'elle se cache. Tu vois ce que je veux dire, franchement. Oh miskin, il y a un mec level 12 ici. T'es miskin l'avion, il a rien fait, il a pris un coup. Mais t'es complètement folle toi, tu fais quoi? Non mais le mec qui conduit, il est fou. En fait, il commence à conduire dès que tu mets un point ou dès que t'es dans une course, tu vois. Il commence à conduire lui-même parce qu'il y a des points de contrôle, tout ça. Ligne d'arrivée, blablabla. Et bref. Ok, lui aussi là, il y a d'autres joueurs qui sont en train de taper des accélérations. Ouh, pas mal. Ça, je l'avais jamais vu. Donc il y a d'autres gens qui sont en train de taper des top speed ici pour essayer de se retrouver dans l'espace, je suppose. Bref, regardons un petit peu. Cette accélération, je pense qu'elle monte à 500. Je suis pas sûr. Mais je crois. Ah non. Enfin, en vrai, je pense qu'elle peut. Mais là, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de longueur pour qu'on aille genre beaucoup plus loin que ça, tu vois. Oi, 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 oi. Le jeu, il bug, miskin. Le jeu, il bug. Ah, pas de chance. On avait dit vol spectaculaire et atterrissage en sécurité, pas le contraire. Ah, d'accord. T'as vu comme t'es, Roya, tu parles mal. Tu parles mal. Déjà, c'est le jeu qui m'a saboté, c'est pas moi. Et ensuite, l'autre, il me fait la morale. Attends, on va tester avec l'autre voiture. Aïe, 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 qu'est-ce qu'elle est magnifique. J'avoue, j'ai vu des gens qui ont fait des presets de customisation. Ils ont mis des Pikachu sur celle-ci, ils ont mis des trucs stylés. Des trucs Among Us même, j'ai pas compris, mais ouais, c'est des trucs stylés. Mais moi, j'aime bien, en vrai, style sobre. Une couleur qui reste claire, c'est ce qui va mieux, je pense, avec cette caisse-là. Elle est incroyable. Oi, 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 Théma. Elle tape ses virages, c'est pas possible, vraiment, vraiment, vraiment. Non, mais c'est vrai, je sais même pas si le comportement des voitures est réaliste, mais en tout cas, celle-ci, elle est absolument pas réaliste. Hey, are you ready? Parce que moi, je suis ready, man. Je pense pas qu'elle va aller plus vite que l'autre parce que
Honnêtement, l'autre, elle a un top speed beaucoup plus hardcore. Mais celle-ci, je crois que c'est une accélération plus hardcore, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Mais l'autre, elle était déjà à 450, non? Oh non, mais l'autre, elle la fume en termes de top speed de ouf. Ouais, elle la fume de ouf. Par contre, elle, il y a moyen qu'elle atterrisse en toute sécurité, entre guillemets. Ouais, t'es mort. T'es mort, où est-ce qu'on a atterri? Non, franchement, c'est pas sérieux. En fait, ouais, elle a pas un top speed de fou malade, mais en termes de conduite, de tenue de route, celle-ci, elle est imbattable par rapport à l'autre. C'est deux bêtes, quoi, différentes. Ouais, il me semble que là, il y a un saut au niveau d'un stade, tu vois. On va passer au-dessus d'un stade, je crois. Ça va me plaire. Oh putain, c'est pas vrai, wesh. Mais il faudrait que tu commences à voir ce qui se passe sur la route, Ray. C'est pas possible. Oh là là, là, c'est moi qui ai évité le pire. Hein. Aïe, aïe, aïe. De quoi est-ce que t'es capable sur l'autoroute? Parce que là, c'est une de ces longueurs. Ok. 410. Je crois qu'il y a moyen qu'elle tape 420 en vrai. Hein. Mais l'autre, je crois que c'est aux alentours de 500 km/h. Il y a aussi une Ferrari. Il y a une Ferrari qui va extrêmement vite aussi, ouais, tu vois. J'adore voir des trucs comme ça. Ah ouais. Ça démontait ce radar. Bah écoute, j'ai pas fait exprès, mais merci. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a à faire? Théma, comment elle a freiné? Je sais pas si ça aurait été possible avec une autre voiture, la vérité. C'est incroyable. La puissance de ce frein, wesh. Elle peut arrêter des colosses. Oh yo yo yo. C'est trop satisfaisant à voir. Ça non, ça c'est pas satisfaisant à voir. Mais t'as capté, tu vois. La tenue de route, elle est incroyable. J'en reviens pas. Bon, ça va, c'était à la limite. Mais ça restait regardable, c'était pas dégueulasse. Ah, attention, non. En fait, voilà, malheureusement, dès que tu commences à toucher, l'IA, elle accepte pas. Elle est en mode, frérot, touche pas. Toi, juste contente-toi d'accélérer. Bah oui, mais mon frère, il y a des gens sur la route, tu veux faire des morts. Ça va pas. Ok, tu vois, ça c'est le stade. Et normalement, on va passer par-dessus, il me semble. C'est magnifique. Très très belle map à explorer dans ce Forza Horizon 5. La vérité, moi j'aime beaucoup. Alors pour le coup, je me dis, je sais pas si l'IA pourra nous aider pour prendre l'élan, tu vois. Genre si j'indique là, il va continuer à accélérer, je pense. Hein. On va essayer déjà avec cette voiture, on va voir ce que ça donne. Et si déjà le résultat est impressionnant, c'est qu'avec une autre voiture, ça peut être un truc de fou. Alors forcément, elle va un peu freiner dans les virages, tout ça. Mais là, tu niques ton élan, tu sers à quoi là? Ouais, non. Là, je suis pas content. On va le faire nous-mêmes puisque l'IA, elle veut trop faire la meuf qui respecte les bails. Ça va être compliqué en fait, je crois, celui-ci. Hein. C'est pas le meilleur truc que j'ai choisi. Hein. Mais je crois qu'on aura déjà un meilleur élan. Ouais, c'est déjà ça. Mais est-ce que on pourra avoir quelqu'un qui pourra dépasser carrément le stade? C'est ça qui nous intéresse. Donc c'est celle-là. Oui. Je crois que ça va être compliqué avec celle-ci. Hein, parce que dès qu'elle va dans une zone avec un peu de terre, tout ça, elle commence à être totalement incontrôlable, tu vois. Et encore, il y a beaucoup de facilité au niveau de la conduite que j'ai activée, tout ça. Mais n'empêche, ça reste... Oh là là, déjà là, on n'est pas sur la bonne route. Hein. On va essayer de traverser le stade, même si j'ai l'impression que c'est totalement impossible. Totalement impossible, improbable. Mais on y croit. On y croit. Pas vraiment. Alors en vrai, c'est comme tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est comme avec la Lamborghini. Oh, il y a un ballon, j'avais pas vu, wesh. Magnifique. Bah, c'était déjà un peu mieux que tout à l'heure parce que, en termes de style, déjà, il me semble que l'autre s'est retourné. Non, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Ok, donc là, il faut prendre l'élan au niveau de cette route là et on fonce sa mère. Là, en fait, il faut vraiment une caisse qui fait une accélération de fou malade. Ok. Ça va. Ça va pas? Oh non, déjà, on va pas tomber bien, je pense. Hein. Oh, si, ça va. Combien d'étoiles? Combien? Oh, ça va? Oh non, mais c'est une terre comme ça, là. Oh là là, je sais pas si ça va le faire. Hein. Alors là, je sais pas dans quoi est-ce que je me suis aventuré. Je m'attendais pas à ça. Mais il y a peut-être moyen qu'on fasse de belles choses, là. On va sauter de très haut, en fait. On est au niveau des montagnes, là. Ouais, on est assez haut. On est pas mal en termes d'altitude, là. Là, en vrai, je pense j'aurais dû prendre un autre type de véhicule pour ça, mais tranquille. Je pense que ça va quand même le faire. Oh! Oh! Ok, c'est assez intéressant. Pas vous mentir. Et j'espère qu'on va quand même bien atterrir. Les choses se passent. Nice. Alors, 3 étoiles ou pas? Ouais, 3 étoiles, ça fait plaisir. Vas-y, remonte. Ne t'arrête surtout pas en plein air, je vais péter un câble, s'il te plaît. Reviens. Oh, c'est trop stylé, vraiment.
Mais je t'avoue que des fois, ça peut s'arrêter en plein air, alors que tu t'y attends pas. Ah ouais, celle-là, elle est meilleure en tout terrain, apparemment. Koenigsegg. Koenigsegg. Je déconne, bien sûr. Let's go with this one. On va essayer avec celle-ci, je pense que ça va le faire. Peut-être mieux, parce que j'ai vu qu'elle était un peu meilleure au niveau du tout-terrain. Et effectivement, c'est catastrophique. Et l'autre, il va me dire, ouais, mais frérot, on avait dit attention, atterrir sans danger, on n'a pas dit qu'on allait mourir. Voilà, forcément, il va me dire échec, échec tâche. J'allais vraiment être vulgaire. Non, c'est vrai, après, elle va très vite, cette caisse. Mais en termes de survie, je crois que c'est un sujet secondaire. Voilà. Mais écoute, objectif survie quand même, s'il te plaît, cette fois-ci. Mais c'est pas possible! Elle va se prendre un arbre? Non, non, me dis pas, elle va se prendre un... Non, ça va. Ça... Mais c'est toujours un échec. Et je crois qu'on est parti encore moins loin que tout à l'heure. Franchement, c'est pas cool. J'espère qu'on a une très longue longueur ici. Parce que là, je t'avoue, de l'autre côté, il y en a encore une plus grande d'une longueur. Mais là, c'est un peu compliqué. Ok, je pense qu'avec la cesto, on peut faire une dinguerie ici. Hein. Ok, je pense que là, on est très très bon. Voilà, voilà, alors, négocie très facilement le virage. Voilà, c'est... Comme si de rien n'était, j'allais dire. Mais putain, j'ai oublié qu'il y avait des gens. Ok. S'il te plaît, je veux personne sur la route. Évacuez-moi cette route, les reilles. Elle est à moi. C'est totalement à moi. Ouh. Ok, ça me plaît. Ok. J'ai cru qu'on allait atterrir sur une maison, mais en fait, ça va. Nickel. Là, frérot, c'est 3... Même 4 étoiles, ma gueule. Oh, c'est magnifique, ça. Un petit tirage, ça fait plaisir. Ok. Moi, je trouve dans le jeu, tout est fait pour que tu n'aies pas envie de tricher, tu vois. Parce qu'en vrai, tu es très récompensé. La vérité, tu es très très récompensé, tu vois. Donc ça fait extrêmement plaisir. Ok, c'est parti avec la Koenigsegg, je t'avoue. Je sais pas ce que ça va donner. Parce que au niveau du virage, déjà, ça risque de nous faire perdre de la... Non, pas du tout. Oh putain, je crois qu'on va tout péter avec celle-là. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est trop, wesh. Oh là, c'est trop, c'est bon. Oh là là, on aurait pu atterrir avec... Enfin, on aurait pu atterrir sur une maison. Dis encore s'il te plaît, on le fera peut-être, frérot. Non mais en vrai, il y a des panneaux danger, en fait, ils sont pas très bien placés. Et c'est pas des routes comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, c'est pas très rentable de faire tous les trucs non plus, mais bon, ça fera toujours plaisir. Oh, les radars, je pense que ça va être bien là. Là, on pourra vous montrer, à mon avis, de quoi... Est-ce que elles sont faites, ces caisses? Ok, on va taper une longueur et on va voir comment est-ce que ces caisses se débrouillent. Parce que depuis tout à l'heure, on n'a pas pu vraiment faire des longueurs de ouf sans être interrompu par un saut ou par des gens. Donc là, on espère qu'on ne va pas croiser de voiture. À cette heure-ci, pas sûr. En tout cas, c'est magnifique. Ok, ok, on peut voir effectivement 410. Je crois que ça va être son max. 412, ok, 412 c'est vraiment son max. Mais c'est magnifique cette vitesse, c'est abusé. Si tu percutes quelqu'un, mais Starfall là. Oi. Après on fera pareil dans l'autre sens, mais avec l'autre caisse. Oh là là, en fait 425, elle continue en fait. J'ai même pas fait gaffe. Oh là 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 là, mais franchement c'est criminel ce qui se passe. C'est criminel. Et regarde les points de prouesse que ça nous fait, c'est un truc de malade. Attends, on va s'arrêter. Oh le frein. Oh le frein. Un frein, t'as peur, c'est pas possible. Ok. Alors là, je pense qu'on va vraiment avoir beaucoup, beaucoup peur. Là, je crois qu'on va faire des 500. Des 500 km/h. Là, je vous jure, c'est totalement possible. C'est faisable. J'y crois. Putain, regarde comment il fume l'autre. Encore comment il fume l'autre. C'est pas possible. Nom de Dieu. Non, non, commence pas à dérailler ma gueule. Non, 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 fais gaffe. T'imagines, sens inverse, tu te la prends de plein fouet. Aïe. Alors, tu vois, effectivement, dès qu'elle commence à partir un peu à droite, à gauche, ça peut être très catastrophique. Ça peut se barrer en cacahuète. Là, faut juste prendre tout droit. Mais là, je pense, elle peut encore y arriver, hein. 500, c'est faisable. 495, tu peux le faire. 500, fais les 500, ma gueule. Fais les 500. Oh non, j'ai trop envie qu'elle les fasse, c'est pas possible. Parce que là, en fait, il y avait une légère montée, je crois. Et dès qu'il y a des légères descentes, elle arrive à gagner je sais pas combien. Bon, là, c'est foutu, je crois. On va essayer peut-être dans l'autre sens. Hein. Ok, c'est reparti dans l'autre sens. Je te jure, les 500, je pense qu'on peut y arriver. Comme je vous ai dit, des fois, il suffit juste d'une petite montée, une petite descente, ou un truc comme ça, pour que ça fluctue au niveau de la vitesse. Et là, je pense qu'on peut le faire.
Celle-ci. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça, wesh? Je se crois dans un drag ou quoi? Ok. Là, tu vois, on voit que le sol est en descente, tu vois ce que je veux dire? On le voit. Et là, on voit une légère montée, tu vois. Mais là, il y a encore une descente, je pense. S'il te plaît, fais-le, ma gueule. S'il te plaît, juste pour le titre, non? C'est pas possible, parce que j'ai vu des gens y arriver. On peut quand même y arriver, nous. 480, elle veut pas. Oh là, elle veut pas, elle est dans les 492. C'est vraiment impressionnant. La vitesse, c'est pas possible. Là, je crois qu'on va plus vite que le TGV, parce que je crois que le TGV, il va à combien? 400? Mais là, je suis sûr qu'il y a le TGV à côté, on le fume, hein. Là, tu peux y arriver! Tu peux le faire! Tu vois, s'il y a un moment où elle pouvait le faire, c'était là. Oh mon Dieu! Oh là là, vraiment, on est à 1 km/h près, tu vois, genre. Pour moi, je suis désolé, c'est quand même 500. C'est quand même 500, il n'y a pas de putaclic, les reilles. Donc la zone du crime, ça va être là? Oh, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Donc là, faut, je crois, 420 mètres. Et là, on fait 3 étoiles. Je pense qu'on a suffisamment d'élan. En espérant qu'une fois sur le gazon, ça commence pas à faire des... je sais pas quoi. Ok. Oh, d'accord. Alors là, je crois qu'on est loin des 420. Ok, on va pas y arriver avec celle-ci, en tout cas. Let's go avec la Koenigsegg, man. Celle-ci, on va faire 3 étoiles avec. J'en suis sûr et certain. Ok. Alors 420, je sais pas si on va le faire, mais il y a moyen. Il y a moyen. Ouais. Ça va, il était pas mal ce saut. C'était vraiment pas mal. Allez, fais-moi les 3 étoiles, frère, fais-moi plaisir. Ah là, là on aime. Alors je retente pour la science, les chay. En espérant qu'on ait des résultats un peu plus concluants. Il faut que je vise bien là. Vise bien ma gueule, vise bien. Là, je sais pas pourquoi je le sens. Je sens qu'on va faire un peu mieux que tout à l'heure. Là, c'est beaucoup mieux, frère. C'est tellement mieux. Attention, on va s'éclater contre les gens. Voilà. Chérie, va voir, j'ai entendu un bruit derrière. Effectivement, il y a une grosse voiture. On est parti super loin, sa mère. Oh là 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 là. Alors là, ça va être compliqué. Comment tu veux prendre un élan de fou comme ça? En réel. Parle-moi en ça, tout ça. C'est compliqué. Alors que pour avoir les 3 étoiles, c'est... Oh non, quoique. Quoique, c'est généreux. C'est... Ah! C'est ce type de saut, d'accord. En fait, tu te laisses tomber littéralement. D'accord. Ok, et on n'a même pas réussi à faire 3 étoiles. Vraiment, tu es médiocre. Tu es nul. On va retenter avec plus de vitesse. J'aimerais pas laisser l'intelligence artificielle conduire pour moi, parce que voilà, j'ai quand même envie de pouvoir dire c'est moi qui a fait le saut, c'est moi qui a fait je sais pas quoi. Ok, déjà là, c'est un peu mieux. J'espère qu'elle va pas se retourner une fois qu'on arrive sur place. Oh, là, il y a 3 étoiles. Là, ça fait plaisir. Là, par contre, je sais même pas si on teste avec la Koenigsegg. Est-ce que ça fait une différence? Je ne sais pas, mais c'est à tester. Ok. J'aime bien déjà comment elle accélère. Mais est-ce qu'elle va pouvoir gérer le putain de virage? Eh ben oui! Eh ben oui, quelle championne! Quelle championne! Je sais pas si c'est elle le champion. Oh là, bah alors là, frérot, je suis pas sûr que ça va le faire. Hein. Non. Tu vois, t'as de l'idée, mais tu fais de la merde. D'accord. Il faut prendre la route différemment. Voilà, déjà là c'est un peu mieux. Là c'est cool. Mais elle déjà... C'est une catastrophe. Ça compte même pas là en fait ce qu'on a fait. Mais tu joues à quoi? Il m'a dit un échec, mais c'était trop... C'était le truc le plus stylé de la vidéo, wesh. Elle a fait je sais pas combien de flips. Téma, on va compter. Alors, il s'est retourné une fois, deux fois, trois fois, il y a 3 fois. Il s'est retourné 3 fois, c'est incroyable. Wesh, la... Jugez la beauté du truc quand même là. Oh, ça c'est un saut de fou. Mais je crois qu'il faut sauter de l'autre côté, non? Enfin, votre destination. Faut vraiment sauter. Oh là là, ça va être compliqué. Une montée. Oh là là, je le sens pas trop. Mais il y a moyen que ce soit cool. Ok, les hey. Donc là, on a une montée. Et ensuite, on se laisse monter tout simplement, tu vois. Mais je sais pas trop. C'est pas un truc de fou. Et en plus, je crois qu'on doit faire 350 mètres. Donc là, bon, on y était presque. Mais encore une fois, c'est pas suffisant. Sachant qu'en vrai, tu connais, quand on nous donne un objectif 3 étoiles, nous, il faut qu'on fasse mieux que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire à 400 mètres, tu vois. Ok, ça veut dire là, on va prendre un petit peu d'élan au niveau de la route. Et ensuite, on va couper comme ça. En espérant que ça nous aide. J'ai eu un peu chaud, je t'avoue, parce que on s'est pris... Enfin, on était à deux doigts de se prendre un arbre, mais tranquille. Oh putain, il va me dire c'est un échec. Oh non. Mais je t'avoue que...
Non, c'est pas un échec. Il me dit pas que c'est un échec. Ah, c'est un échec. Voilà. Et alors là, on est parti un peu loin, mais c'est parce qu'on est ambitieux. Justement, on veut partir très loin, les Khey. Ça veut dire qu'il faut faire des trucs qui n'ont pas de sens pour arriver à faire des bails qui n'ont encore moins de sens, qui ont encore moins de sens. C'est n'importe quoi. Mais elle veut toujours se retourner, frérot. C'est pas possible. Vas-y, vas-y, on y croit, on y croit. On y croit, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais celle-là, elle va jamais y arriver ou quoi? C'est pas possible. À chaque fois, elle veut se retourner. Oh, c'est pas un échec. C'est pas un échec, les Khey. C'est magnifique. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Alors, j'essaie d'identifier le saut. Où est-ce qu'il est? Oh, il est juste devant ma gueule. Incroyable. D'accord. Oh, je crois qu'en vrai, on va faire le pire saut de tout le jeu, frère. Parce qu'il y a une longueur de fou. T'as remarqué, le thème de cette vidéo, c'est un peu l'abus, tu vois. On abuse un peu, c'est la vérité. Mais tranquille, c'est pour le fun. C'est pour la bonne cause, c'est pour la science. Donc, tout droit, ma gueule. Tout droit, on devrait apercevoir la rampe. Et normalement, on devrait d'être ça. Alors, déjà, si avec celle-ci, on décolle, j'ai même pas envie d'imaginer ce que ça va donner avec l'autre caisse. Oh mon dieu, oh là 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 là, c'est impressionnant. J'adore. Putain, j'ai même pas vu, oh là, j'ai même pas vu les 3 étoiles, frère. Non, c'est surtout parce que je suis persuadé qu'avec la Koenigsegg, on va faire n'importe quoi, en fait. Ok, c'est parti. Alors déjà, j'ai l'impression qu'on va frôler les 500 km/h comme tout à l'heure. Et ça va être le seul saut, je pense, qu'on va faire à cette vitesse. Parce que je sais même pas si on a fait un saut auparavant aussi, bah, avec autant d'allure, en fait. Je suis pas sûr. 485, j'ai cru voir. Aïe, 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 tu connais, je maintiens la gâchette parce qu'on sait jamais. Peut-être ça nous donne plus de... Aïe, aïe, 805. Il m'a dit échec. Oh, j'ai envie de le buter. Comment ça, échec, frérot? Comment ça, échec? Me dis pas échec, me dis pas échec. Eh, vas-y, c'est pas un échec, frérot, c'est une réussite. Je vais commencer à l'embrouiller, moi. Allez, 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 allez. On va essayer de tenter d'autres trajectoires. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, on va prendre à gauche un peu, tu vois. Peut-être c'est une bonne chose. Peut-être qu'on peut atterrir directement sur la route si j'aurais pris un peu plus à gauche, je sais pas. En vrai, je pense qu'il y a moyen. Comment ça? Eh, vas-y, c'est bon, ça m'a énervé. Est-ce que ça a au moins compté ce que j'ai fait avec la Lambo? Ça a compté, c'est bon, c'est une réussite, les Khey. Voilà. Oh, nice. Alors, je pense qu'ils vont nous mettre après des caisses, bien sûr, qui sont très puissantes aussi, pour équilibrer le bail. Sinon, bien sûr, c'est n'importe quoi. Donc là, catégorie X, ou je sais pas comment... C'est X ou 10, je sais pas. Alors les Khey, tu penses que tu vas pouvoir être méchante avec moi? Méchante. Alors on est en mode touriste. Allez, on va mettre imbattable. Imbattable comme ça, voilà, les choses se passent. Mais bien sûr, voilà, tout le reste, évidemment. Bon, j'ai juste à cliquer comme ça si j'ai envie, tu vois. J'ai envie de voir comment ça se passe. Est-ce que l'IA est chaude contre des IA qui sont encore plus chaudes ou aussi chaudes, tu vois? Donc vraiment, difficulté max. Alors que pour nous, ce sera une balade. J'ai juste envie de voir qu'est-ce que ça donne. Parce que moi, je sais que je me ferai défoncer. Mais j'ai envie de voir l'IA comment est-ce qu'elle s'en sort. Déjà, on est en train de coller au train d'une autre caisse. Là, c'est pas très cool. Oh, cette BM, je te jure, elle est incroyable. Hein. L'une des voitures les mieux optimisées du jeu. Hein. Ok, ok, ok. Les choses se passent. Mais en fait, c'est tellement satisfaisant de pas avoir à stresser. Je te jure que je trouve le jeu assez... C'est compliqué en fait, ou bien c'est moi qui ai éclaté, ou bien voilà, après j'ai fait une ou deux courses de base avec des drivatars. Donc voilà, c'est aussi pour ça que, bon, et c'était une caisse éclatée que j'avais. Ah, il a la même caisse que j'ai là, hein. Ok, il veut me copier, il copie mon style. Déjà on est dixième, c'est que je me dis, bon, il y a de l'espoir, c'est qu'on n'est pas si éclaté que ça. Enfin, c'est que je suis pas si éclaté que ça, parce que si j'aurais fait la course moi-même, je pense qu'on aurait été dixième. Je pense que c'est logique, c'est logique. Attends, mais vraiment, si même l'IA est les dixièmes, c'est catastrophique quand même. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose de problématique. Pourtant, je pense avoir pris l'une des meilleures caisses. C'est pas possible. Oh my god. Ah, peut-être que j'aurais dû prendre la BM en vrai. Peut-être que la BM aurait fait un meilleur travail. Ouais, là, on va se faire décimer. Là, il n'y a aucun moyen qu'on rattrape notre retard. Douzième, le Khey, wesh, qu'est-ce que tu veux faire? Abandonne dès maintenant, moi, je te dis la vérité. Il reste 10%. Oh non, quel massacre. Oh, quel massacre. Donc en imbattable, on est battable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est totalement battable, vraiment. On est éclaté, 11e. Enlève juste un 1 et on est premier, frérot, ça passe.
Donc là, je pense la caisse qui va être vraiment le top du top, c'est ça. Ça, c'est incroyable, cette BM. En vrai, c'est ouf. Quand elle est améliorée, quand vous avez pris le bon tuning, ma foi. Je parle de moteur, bien sûr. La puissance, tout ça, c'est incroyable. Elle a une tenue de route, c'est pas possible. Par contre, voilà, si en face, ils ont des caisses de fou malade aussi et qu'en plus, c'est imbattable. Je suis désolé, mais ils sont imbattables. Vas-y, on va peut-être mettre en... Non, on va laisser en imbattable. Vas-y, juste pour voir comment ils se démerdent avec cette caisse, en fait, tu vois. Parce que je suis curieux, vraiment, de voir ce que ça donne avec cette caisse. Mais normalement, celle-ci, ça devrait être incroyable. Voilà, toi, au lieu de rester devant... En fait, faut que je l'aide ou quoi? J'ai pas compris. Elle reste devant moi, là. Ok. Ok, c'est pire. Je me dis, j'aurais même pas dû intervenir, en fait. Parce que là, c'est un massacre. Aïe, 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 ils tracent tous. Aïe, ils dégoûtent. Franchement, ça me dégoûte. Il y a juste un petit dernier derrière moi, skin, tu vois. Regarde comment il me bloque. Ça me rend ouf, ça me rend ouf. Il se renifle les fesses. Vas-y, fais le virage, fais le virage. Oh, mais même l'IA n'a pas pu faire le virage. C'est quelque chose. Mais quand même, frère, là, c'est de l'abus. C'est, wallah, c'est de l'abus. Quelle est cette difficulté? Genre, vraiment, même en expert, je crois, on se fait soulever. Très doux, on se fait soulever. Habile, ça peut passer, tu vois. Mais vas-y, on va mettre en moyen. On va mettre en moyen. On va voir c'est quoi moyen pour le jeu. On va voir. On va voir. Voilà, si on perd, je pète un câble. J'arrête la vidéo tout de suite. Enfin, dans tous les cas, c'est censé être la fin de la vidéo. Mais je coupe net. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, vraiment. Ok. Donc là, on est en habile. Hein. On est en habile, les Khay. Ok, ok, ok. Mais est-ce qu'ils nous ont fait des cadeaux, genre, en termes des choix de voiture ou pas, là? Est-ce que, genre, les gens en face, ils ont des voitures éclatées par rapport à nous? Je pense pas. Hein. Je pense qu'ils ont tous des bonnes caisses, tu vois. Là, ça va juste être plus gentil. Ouais, là, là, franchement, il y a un espoir pour qu'on soit premier. Mais je te jure, même là, je me dis, ils vont pas nous faire de cadeaux. Tu vois ce que je dis ou pas? Voilà, voilà. Fais-le bien. Toujours l'IA, elle se casse la gueule dans ce virage. C'est pas possible. Là, franchement, si on arrive à être premier, je suis content. Parce que je vois pas que c'était facile de ouf. Voilà, deuxième. Premier, premier, premier. Laisse-moi être premier, ma gueule. Laisse-moi être premier, j'ai dit. Laisse-moi être premier, sinon je vais m'énerver. Voilà, laisse-moi être premier, ta mère. Merci beaucoup. Oh là là, avec mon masque de catcheur, magnifique. Oh, yo, yo, j'adore, je dénargue. Je leur fais un klaxon. Ça, c'est pour les narguer. C'est un truc Windows. Oh, c'est bon, là, on les a fumés, les Khay. Là, je pense qu'on a vraiment gagné. Enfin, à partir de 90% de la course, je fais l'outro. Et voilà, pour vous dire à quel point je suis confiant qu'on va être premier. Bon, alors c'est bon, vous êtes premier, les Khay, c'est bon. Alors, comme vous avez remarqué, le thème de cette vidéo, c'est de faire des trucs de fou, des trucs kiffants. On va dans le ciel, on va vite, on va je sais pas quoi. Si vous connaissez des moyens, ou par exemple des voitures, des voitures de fou, sa mère, conseillez-les-moi de les conduire ou de faire, je sais pas, un circuit en particulier, une épreuve en particulier qui te ferait kiffer. Tu me le dis et tu me verras sûrement sur ce jeu. De toute manière, c'est prévu, Inch'Allah, que j'en fasse une vidéo avec des potes. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Prenez soin de vos chrindos. Peace!